Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de cet emménagement, de ce retour sur YouTube. Je vais pas faire une intro trop longue, si vous voulez en savoir plus et que vous n'avez pas vu la partie 1, elle sera dans le petit i et dans la description. Je vous fais de gros bisous et enjoy la vidéo. Ça fait deux jours que j'ai... enfin hier j'ai pas vlogué parce que mon père était là, parce que ma douche fuit. Trop bien. Et en plus aujourd'hui je me suis lavé les cheveux et je n'ai plus de shampoing pastélisant. Et ça coûte cher et ils font que des petites bouteilles. Oui, j'ai roté. Des petites bouteilles à 30 euros. Et j'ai beaucoup de cheveux. Donc voilà, donc ça me casse un peu les couilles là parce que je sais pas où je vais l'acheter. Parce que j'ai pas de bleu libellule près de chez moi. Donc voilà. Aujourd'hui, on était censé aller se promener et tout vers un pot de shopping. Mais ça me casse vachement les couilles. Et du coup, c'est tout ce que. Ah si! Je vous ai pas montré. Du coup, mon père a essayé de réparer la douche, mais ça n'a pas fonctionné. Là, j'ai Nico est en train de la prendre. Et. Ouh, lumière. J'ai posé, enfin, on a posé mes étagères pour mes vernis que je vais ranger ce soir vu que Nico il part cet après-midi. Et je vais trier mon dressing ce soir avec vous, je pense. Mais là, j'ai besoin de sortir. En plus, ce matin, je me suis pesée et j'ai repris tous les kilos que j'avais perdus ces deux dernières années. Donc, je suis ravie. Donc, voilà. Un bonheur. Mais ouais, là faut que je me prépare et tout. Et faut que je sorte. Parce que je suis en pleine période de mal-être là. Voilà. Voilà. Ma peau va un tout petit peu mieux. Ces deux boutons sont en train de partir. Mais voilà. On va mettre beaucoup de fond de teint pour cacher ça. Je viens de tourner l'intro et la outro de cette vidéo que vous regardez. Donc si jamais... C'est normal si je suis habillée pareil et tout, enfin je suis en pantalon pyjama, si je suis habillée pareil pour cette next segment. Donc je suis revenue vers 17h30 avec Nico, mais là tout le monde est parti. Mon père était passé pour voir la douche et du coup on a posé, enfin il a posé les simèzes. Vous allez voir encore une fois mon body de dingue, pas du tout, mais le miroir. Donc là il y a d'autres simèzes et j'ai aussi coupé un bout de bois. Oui, un bout de bois de dehors, non pas du tout, un bout de bois de chez Casto. Pour faire des petites étagères sur mes rangements, pour faire en fait deux étages. Bon, elles seront peintes en blanc à terme, mais là j'ai pas la foi. Sachant qu'il est 19h30 je crois et qu'il faudrait que je m'attelle à mon dressing du coup. Voilà. Alors, mon maquillage s'est fait avec la palette Blood Sugar de Jeffree Star. Mon haut, mon premier haut, lui, vient de chez Bershka. Il est encore disponible. Et le haut en dessous, par contre, vient de chez Stradivarius. Et ça fait 3 ans que je l'ai, je crois. Donc voilà. Vous voyez qu'il faut. J'ai sorti mon trépied, c'est le bordel. Ça, je sais pas si je le garde dans mon appart ou si je le mets dans le cellier. Parce qu'en fait, j'ai un cellier. Enfin, en fait, c'est le cellier de l'étage. Mais personne l'utilise. Du coup, en fait, il est à moi. Moi, je l'utilise, je suis là. Et que moi qui ai les clés, pour l'instant je suis là. Pour l'instant je l'utilise. Et j'ai fait mon premier j'ai fait tourner mon premier lave-vaisselle. Du coup normalement il devrait être propre. Du coup faut que je le sorte. C'est propre, putain c'est tellement le bonheur. Je vais vraiment vider le lave-vaisselle, bouffer et faire mon dressing après. Parce que j'ai plus de batterie. Donc voilà. Là il y a la, c'est la barre la moins jolie, la étagère moins jolie parce que c'est tous ceux qui ont, que j'ai en peu de marques etc, mes luxe etc. Là j'ai mes OPI, j'en ai pas beaucoup, d'ailleurs j'en ai fini un. Là j'ai tous mes Ciaté, derrière j'ai tous mes soins, alors oui j'ai beaucoup de backup d'Espagne. Et ici j'ai tous mes Kiko et mes nouveaux Kiko, c'est très poussiéreux, j'aurais peut-être dû passer la poussière dessus. Mais voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait joli en vrai. Enfin moi j'aime bien, après il y a beaucoup de gens qui aiment pas, qui trouvent que ça fait pas joli, mais je sais pas, j'aime bien, enfin, je sais pas, quand tu rentres dans une pièce, tu rentres, ouh,
de belles étagères. Genre j'aime pas avoir mes vernis dans une boîte parce que tu vois pas les couleurs. Alors il y en a qui mettent des petites pastilles sur le dessus. Mais moi je préfère les avoir comme ça. Ça me rappelle qu'il faut que j'en achète d'autres. Et du coup celui que j'ai sur les ongles c'est celui-ci de chez CIAT qui s'appelle Candy Floss. Mais ça fait très longtemps que je les ai, les CIAT, vu que c'était dans mes calendriers. Comme beaucoup de mes vernis, mais à part un de chez OPI qui était le Malaga Wine, j'en ai aucun qui a vraiment séché. Et ça fait des années que je les ai. Vraiment des années. Mais bon voilà. Je vais continuer maintenant avec ce qu'il y a derrière. Et en soi, genre, si je vous montre, voyez, là c'est le bordel. Genre là, ça. Et en bas c'est pareil. Après là, derrière, il y a des trucs qui sont un peu cachés. Mais ici, bon, à part mon jean et mon soutif d'hier. Ici, j'ai rangé avec ma maman. Donc ici ça va, à part dans les tiroirs là. C'est le bordel, genre il y a tous mes sous-vêtements et mes chaussettes qui sont juste... Et ici après, pareil, là c'est rangé. Il y a des trucs derrière mais je sais pas où les foutre. Par contre, là et là il n'y a rien. Et là et là faut que je range. Parce que pour l'instant là il y a mes jeans et là il y a mes pyjamas. Sauf qu'il y a tous mes maillots de bain, toutes mes affaires de sport à mettre aussi ici. Et je ne sais pas comment je vais... Mais donc voilà, oh oui cette lumière, c'est mieux. Je vais faire ça. Et faut que je fasse du tri en vrai. Parce que le problème d'avoir beaucoup de vêtements, c'est que c'est bien, mais il y a plein de trucs que je mets pas. Genre vraiment. Et il faut que j'arrête de garder les trucs que je mets pas parce que ça ne sert à rien. Bon, j'ai sorti tout le bazar qu'il y avait. Et j'ai tout ça. Genre là, il y a tous mes maillots de bain et de mes grosses chaussettes. Là, mes affaires de sport. J'en ai aussi là. Et j'ai pas mal de trucs. Voilà, j'ai mes sacs. Puis des vêtements à trier. Mais je sais pas trop comment je vais faire parce que... il faut aussi de la place pour les affaires de mon copain. Je sens qu'il ne va pas y en avoir. Mais en vrai, je me dis si jamais... ici, je peux mettre une petite malle. Je pense mettre une petite malle pour mettre genre mes affaires de sport et tout, si jamais. Mais faut que je trouve une solution là. Parce que ça va pas. Ça va pas du tout. après, je pensais mettre ici un panier. Parce qu'il y a vachement de place. Donc un petit panier, enfin, que je peux pousser comme ça. Je peux mettre genre mes pyjamas ou un truc comme ça. Je pensais. Mais ouais, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Voilà, super. Mais ouais, bah ça va être sympa là, voilà. Je crois qu'il faut que j'aille faire pipi et que après j'y aille, voilà. Je bois de l'eau citronnée parce que c'est moins sucré que des boissons, voilà. Bon, je me suis mis en full pyjama mode. J'ai mis une brassière quand même parce que ce soutif est beaucoup trop serré. Et avec trois couches, c'était pas possible. Mais du coup, j'ai fait tous les... comment ça s'appelle? Les pendants. Là, j'ai encore des manteaux. Mais on les voit pas. Mais globalement, je les aime à peu près tous. Je vais continuer. J'ai très chaud. je vais fermer les volets aussi parce qu'il fait nuit là et on va sûrement me voir et j'ai pas très envie. Voilà. J'en ai enlevé deux. Soyez fiers de moi. J'ai quand même vidé pas mal
de mes pyjamas. Et ce que je vais faire, c'est que ici, du coup, il y aura... Non, ici, il y aura... Pardon. Ici, il y aura mes pyjamas et mes affaires de sport. Et comme ça, en bas, je mettrai mes maillots de bain pour l'instant. Et cet étage sera... Ou celui-là. Ou celui-là sera... pour mes jeans, comme ça Nico aura sûrement une étagère et un tiroir une fois que j'aurai mis mes maillots de bain ailleurs. On y croit. On y croit. Et on continue. Voilà. Après ça me fait chier parce que cet endroit est plus haut que cet endroit. Et s'il y a un vide là, ça va me stresser pour l'instant. Donc au pire je mettrai des chaussures, je ne sais pas encore, ou mes sacs, mais enfin je vais voir. Je vais voir, j'espère que ça va marcher. Look, j'ai réussi à tout mettre, donc là il y a tous mes pyjamas. Et là-bas toutes mes affaires de sport. Donc voilà, c'est pas mal non? Oui je les ai mis comme ça mes pyjamas pour bien tous les voir, parce qu'avant ils étaient empilés. Et bah j'utilisais toujours les trois mêmes. Focus ici s'il te plaît. Donc voilà, j'ai tout mis comme ça. Au moins je sais qu'ils sont tous là, j'en ai viré pas mal. Pareil des vieux t-shirts que je gardais pour le sport, mais ça sert à rien, genre voilà. Je montre pas comment je range, pourquoi? Parce que je suis pas dans une position très confortable. Et poser ma caméra et tout, c'est un peu compliqué. Et puis en plus me voir plier des jeans là, c'est pas très fun. Mais en soi après, je sais même pas quelle heure il est, doit être minuit. Alors 23h16. Après mes jeans, il me restera, je vais mettre tous mes bikinis dans le tiroir du bar en attendant d'avoir une jolie boîte pour les mettre en haut. Et après je vais faire, je sais pas si je le fais ce soir ou pas, je pense pas. Il me restera mes trois petits tiroirs avec mes sous-vêtements, mes chaussettes. Et mes shorts, sachant que pour mes sous-vêtements et mes chaussettes, en fait, j'ai créé moi-même des petits compartiments qu'il faut juste que je recolle dans le... Enfin, que je rescotche dans le... Dans le tiroir. Voilà. Mais j'ai mal au dos, là, parce que j'ai beaucoup de problèmes au trapèze maintenant que je suis tout le temps assise à dessiner. Et du coup, là, j'ai un peu mal au dos, donc je pense prendre une toute petite pause. Et si... le prochain clip n'est plus maintenant, enfin, n'est plus... j'ai plus cette tête et tout, c'est que cette pause aura duré beaucoup trop longtemps. Voilà. J'ai réussi à me lever de ma pause et j'ai fini mes jeans. Ça passe ric-rac. Alors c'est pas très beau, on va se l'avouer. Mais au moins il y aura un tiroir pour Nico. Et au pire bah, je mettrai moi ça dans le tiroir et il aura les deux trucs. Voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. Je voulais finir aujourd'hui, mais je m'y suis prise trop tard. Et là, j'en peux plus. Ça fait 2 heures que j'y suis et j'en ai un peu marre. Donc, je vais finir pour aujourd'hui et recommencer demain. Sachant que entre 13 et 15 heures, t'as le mec de Free qui doit passer pour m'activer ma wifi. Voilà! À demain! Comment résumer la situation sans s'énerver? C'est impossible. On me dit le 21, Free passe entre 13 et 15 heures. Quelle belle histoire. Free passe à 11 heures. Oh, t'as fait une poésie. Oui. Il est 13h46. Ma box est toujours en phase d'initialisation. Et plus particulièrement la phase 2. Et j'ai un peu envie de décéder. Donc voilà, donc là je suis vraiment heureuse. Donc je vais bouger le cul pour finir de ranger mon dressing. Parce que ce soir, on va fêter la musique. Et voilà. Un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Ça marche pas, ça marche pas. Attends, j'ai réinitialisé la box. Peut-être que là ça a marché. Ça marche pas, ça marche pas. Hein. Donc on va... Donc j'appuie sur ma box, qui n'est pas là d'ailleurs. Ah si, voilà, Freebox Eva. Je sais pas si... Mais c'est en train de...
Voilà, donc je vais ranger, puis me préparer pour ce soir et oublier ces merdes. Du coup, c'est sale ça. J'ai rangé mes sous-vêtements et mes chaussettes et j'ai réussi à mettre tous mes maillots de bain dans ma boîte Gucci. Comme ça, voilà, ils sont tous là-dedans. J'en ai beaucoup et j'ai réussi à bien les packs. J'en ai pas acheté cette année parce que je comptais pas partir en vacances. Je pars au final, mais bon. Du coup, voilà, comme ça, j'ai juste à la mettre quelque part en dessous de mes fringues et ça sera bon. Il me reste plus que mes shorts et tout ce qui est autour. Faire un peu de tri dans mon maquillage et voilà. Il est quelle heure? Il est 15h. Ça tourne encore, je suppose? Oui. Génial. Je vais pas tarder à appeler mon père pour lui dire. Et après, il faut que je me prépare en vrai. Même si ça va me prendre 30 minutes, il faut que je me prépare. Voilà, faut que je me douche. En bref, voilà. Un bonheur. Je crois que j'ai un problème avec les grosses chaussettes pilou pilou. J'ai tout ça. Gros problème. J'ai fini. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Ouais. J'ai fini de ranger. C'est pas parfait, hein. Faut que je fasse le lit. J'ai fait un peu de tri, genre j'ai jeté des vieux fonds de teint et tout. Mais voilà, là j'y ai pas vraiment touché. Mais pour l'instant, j'ai mis mes sacs que j'utilise le plus ici. Je changerai, mais voilà. Faut que je lave ces pompes. Voilà, voilà. On est bon. Je vais faire le lit et après, je pense que je vais me doucher vite fait et me préparer. Voilà. Un monsieur. Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Oui, bah oui, je vois ça. Le focus. Ah, voilà. Ah ouais, ah ouais. Et la box est toujours sur étape 2. Donc vraiment le mec s'est foutu de notre gueule. Non, c'est peut-être pas lui, il s'est free. Bah oui, mais lui il s'est free, enfin. Ça me casse les couilles. Ouais, mais c'est peut-être free qui fait pas son job pour activer le truc. Bah non, ouais, non, c'était déjà fait, mais bon. Ouais. Pff, ça me saoule, bref, donc voilà. En vrai, j'ai fini. Donc je devrais finir ce vlog maintenant, mais je vais attendre d'être maquillée pour le faire. Pour être belle. Alors que j'ai déjà filmé la fin de la vidéo, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un monsieur. Oui. Tu fais quoi? Ah oui, c'est Natsu. C'est trop mignon. Tu vois. Bref. Voilà, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais essayer de faire peut-être d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce qui vous donne envie de voir. J'ai complètement oublié comment parler en français. Voilà. Bref, je vais recommencer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. Si c'est plus de la beauté, si c'est plus du lifestyle, si c'est plus de la mode, etc. Si vous voulez un appartement de tour un petit peu plus poser un dressing tour, un rangement make-up, tout ceci, même si j'en ai fait un il y a un an, mais c'est un peu nouveau. C'est fou parce que quand je suis comme ça, on dirait que j'ai que des yeux rouges. Merci Jeffree Star. N'hésitez pas à me dire tout ça, je vous fais de gros gros bisous et à bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être, je ne sais pas. Bye.